Les couples se forment et aujourd'hui, eh bien, nous respectons à peu près la démographie française puisque les grosses têtes sont constituées de deux dames et de deux messieurs. Alors que d'habitude, il y a quatre messieurs, trois messieurs et une dame. Mais moi, je sais compter jusqu'à cinq. Et si je compte jusqu'à quatre, c'est que je ne parle que de vous. Ah. Bon, moi, vous savez, je suis là pour servir la soupe, pas pour la manger. Et donc, je voulais signaler qu'il y avait aujourd'hui deux dames et deux messieurs. Et que parmi les deux dames, il y a une petite nouvelle. Alors, c'est assez rare, parce que je ne veux pas dire d'ailleurs que toutes soient vraiment de grandes anciennes, mais enfin, quelqu'un qui a son baptême des grosses têtes, ça mérite d'être signalé. Et j'ai invité aujourd'hui une consoeur de la presse écrite. Vous me direz que bon, la presse écrite, c'est pas la meilleure école pour la radio. Encore que, quelquefois, on est des réserves de conversation inemployées. Mais parce qu'elle fait chaque jour dans Le Monde un billet, comme on dit, en fait une chroniquette, très appréciée et pleine d'esprit et de non-conformisme. C'est Claude Sarraute. Alors maintenant, les anciens, il y en a sur la tête de qui ça se voit tout de suite. Bon, on voit que ce ne sont pas des perdreaux de l'année. Il y a d'autres qui sont admirablement conservés, comme par exemple merci, Charlotte merci de Turckheim. Oh, elle est là. Je suis vexé. Aristocratie du café-théâtre. Tu croyais qu'on parlait de toi ? Je ne dirais rien, mais je n'en penserai pas plus. Oui. Moi, je suis en pleine dépression nerveuse depuis la dernière fois, hein, Philippe. Pourquoi ? Bon, parce qu'il m'a dit que je lui ressemblais. Alors, attendez, il faut savoir à qui vous ressemblez. Non, c'est Sim pas. Car effectivement, lui ressemblait. Celui auquel vous ressemblez, Claude. Sans doute non, celui alors. Qui a le plus beau physique de radio, j'ai nommé Sim. Ah oui. Oh, enfin, me voilà réhabilité. Non, non, si j'ai dit que... Alors, je voudrais que, Philippe, vous présentiez la dame à qui, paraît-il, j'aurais manqué de respect verbal. Mais c'est vous. Et on ne sait pas qui c'est encore. C'est un affront terrible. C'est fait, vous avez présenté... Oui. Non seulement vous êtes vieux, mais encore... vous avez présenté Charlène de Turcotte. Mais oui. Charlotte. Il en manque un qui n'a pas été présenté. Attendez. Et après, nous allons régler cette affaire. Plus j'attends d'abord, plus il est connu. Bon, donc... Et moins il est frais aussi. Hein. Pas du tout. Alors celui-là, il y a 35 ans que je le pratique, et il est peut-être mieux aujourd'hui qu'il y a 35 ans. Ah il est fabuleux. Il est fabuleux. J'ai l'impression qu'on l'a embaumé il y a 35 ans. Non, mais c'est vrai qu'il Moi, n'a je pas le bougé. Mal, toi. Il a autant de cheveux. Il a les cheveux de la même couleur. Il n'a pas pris un kilo. Il est fabuleux. C'est Roger Pierre. Merci, Ferdinand. Vous ne connaissiez pas les grosses têtes, Madame Sarraute? Ah ben, c'est-à-dire que je les suis, hein. Je les commence tous les matins à 6h moins 5. À 6h moins 5? Ah oui, dans la salle de bain tous les Pourquoi matins. Pourquoi ça passe le matin? Ah, je savais pas, moi. Génial, je me tords de rire. Mais vous dites, je les suis dans votre salle de bain, vous essuyez quoi? Je trouvais que ça passait Non, mais vraiment, c'est très très drôle parce qu'il passe le meilleur extrait. C'est le moment où vous êtes le meilleur. Cinq minutes, mais alors vraiment. Le matin de bonne heure? Ah, moi j'entends jamais. 6h moins 5, pile. Mais qu'est-ce que vous faites à 6h moins 5 Attends, moi je commence ma journée à 5h moins 5. Je prends les dernières nouvelles de la nuit sur RTL. Formidable. Ah oui. Il y a deux mecs qui font la nuit sur RTL et qui balancent toutes les nouvelles à 5h moins 5. Et vos papiers, vous les faites selon les renseignements que vous avez le matin? J'écoute tout ça, puis j'écoute la BBC, puis je prends mon métro à 6h20. Puis j'arrive au journal à 7h moins 20. Il y a une vie passionnante, avec mes copains. Puis voilà. De toute façon, c'est dans le métro qu'on en apprend le plus. Je suis déjà fatiguée, moi. Oui, alors Claude, que je vous explique. Oui. Ce monsieur ici présent, la dernière fois, a prétendu que je lui ressemblais. De profil seulement. Ah, de profil. T'as dit de profil, de face. Et ce qui est horrible, et c'est pour ça que j'ai en pleine dépression nerveuse. Non. C'est que le public ici présent a reconnu que c'était vrai. Mais un peu. Non, mais je parle que du visage. Ça n'est vrai. Attention. Alors, effectivement, ça n'est vrai que de profil et lorsque vous retirez votre prothèse dentaire. Voilà. Bon. Donc, Claude, vous qui êtes là pour la première fois, je vous demande réparation. Écoutez, là, vous me mettez dans une situation vraiment embarrassante. Pourquoi je ressemble? Non. À qui pensez-vous faire de la peine en disant oui? Oui, c'est une décision très délicate, là, parce que maintenant, il faut choisir votre camp, c'est Sim ou moi. Non, mais en tous les cas, je vous remercie d'avoir établi ce panel qui est quand même composé de gens délicats, fins et puis vraiment bien élevés. Ça fait quand même plaisir, nom de Dieu. Sim, je crois qu'elle penche pour toi.
Alors, qui le dit mot consent. Non, il n'a pas mauvaise haleine. Alors, monsieur Roger Pierre donnait aussi quelques derniers conseils, si je puis dire, comme la maman, vous savez, qui prépare sa grande fille à la nuit de noces, à notre nouvelle grosse tête, sur le plan de la culture. Bon, elle en connaît sûrement plus que nous. Je suis nulle. Vous ne pouvez pas savoir. Hein. C'est vrai. Vous verrez, je ne comprendrai même pas la question. Ah oui, nous avons eu des gens qui ne comprenaient pas la question, mais qui donnaient quand même la bonne réponse. Ça s'est vu assez souvent. C'est pas mal. Mais vous on a même eu qui a déclaré Ravaillac, ré exact. Oui, c'est-à-dire donner l'auteur d'une citation avant même d'avoir entendu son texte. C'est arrivé plusieurs fois. Vous faites comme les jésuites. Il y en a un à qui on demandait un jour, on dit mais pourquoi vous répondez toujours à une question par une autre question? Et le jésuite a dit mais pourquoi pas. Je voudrais noter la robe de travail que porte Madame de Turckheim aujourd'hui. Oh merde alors. Toute boutonnée derrière. Ah bah oui, ça il le voit pas. Hein. Oui, c'est dommage c'est très d'ailleurs. Coquin, très coquin. Dommage, oui. Enfin, si je danse avec toi, j'ai peur d'attraper des boutons. Mademoiselle, vous avez une robe, mais quelle robe, c'est indécent. Vous avez une robe qui est décolletée, puis courte. Mais c'est pas une robe, monsieur, c'est une ceinture. Pourquoi vous mettez des robes comme ça? On dirait une vieille soutane que vous avez retournée. C'est très beau. C'est une robe totalement sexy, ravissante. Oui, là, je suis d'accord, vraiment. Oh, c'est ravissant. Sexy, vous avez des statistiques? Pourquoi vous ne trouvez pas ça sexy? Votre mari Mais oui, mon mari aime beaucoup. Mais t'as besoin de quelqu'un pour l'enlever. Pour elle est très dure. Ah non, regarde. Charles, je vous ai dit que c'était très dur à enlever, à déboutonner derrière. Une main comme ça et une main de l'autre. En arrachant, j'y arriverai bien. et les boutons sont phosphorescents? Bon, alors, sachez également que de temps en temps, entre deux plaisanteries plus ou moins graveleuses, j'essaie d'insérer un petit bout de culture. Oui. Ou en tout cas, une question culturelle. Voici donc la première citation que nous devons à Madame Vézier de Niort, qui a dit, en évoquant les débuts de l'indépendance féminine, 20 millions de femmes se sont levées en criant « Personne ne nous dictera ce que nous avons à faire ». Et puis elles sont toutes devenues sténodactylos. C'est un homme? Oui, bien sûr. Oh, bah, il y en a plein au MLF, hein. Seulement, c'est dit quand, ça? Ça a été dit par un Français? Non. Un Américain? Non. Un Allemand? Non. Un Anglais? Un Anglais. Un Anglais. Alors là, je sais, c'est Bernard Shaw. Oui, Georges Bernard Shaw. Pour quelqu'un qui ne sait rien et qui ne comprend pas les questions. C'est bien. Formidable. Non, je dirais que c'est pas génial, bien. C'est pas adroit. Parce qu'au départ, il vaut mieux jouer un peu les bébêtes. Sinon, vous allez vous les mettre à dos. Non, mais c'est vrai, vous les connaissez mais pas. Est-ce que c'est héréditaire, votre culture? Ah oui, tout à fait. Oui. Mon manque de... Ah non, moi, je sais pas, non, je voudrais pas dire du mal de ma mère. Ah si, tout à de fait. Nathalie. C'est ma mère. Nathalie. Mais oui. C'est pas vrai. Ah, mais je vous jure, puis je suis une groupie, elle est géniale. Oh. Ouais, et puis elle a un mari qui a beaucoup de talent aussi, qui est Jean-François Revel. Ah non, mais attention, c'est pas n'importe qui que j'invite. J'ai lu Les Tropismes et le Planétarium de votre mère. C'est bien, non? Oui. Formidable. Superbe. Là, c'est vraiment. Je ne savais pas. Oui, je voulais vous présenter un fantaisiste qui sait lire. J'ai beaucoup cherché. Ah oui, votre maman. Elle était pas russe, non. Si, tout à fait. On est russe, nous, d'origine. Vous voyez que je connais votre famille. Ouais. Oh, qu'il est fort. Il me reste plus qu'à vous connaître. Voilà. Ça tourne encore 2 heures. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL de 4h à 4h30. Il est charmant. Oh, hein, il est délicieux. Ouais. Vous trouvez. Ah oui, ils ont vraiment. Mais si, tu me ressembles. Oui, les avis sont partagés, hein. Non, mais mon mari, il a fait la gueule quand il a entendu ça. Il m'a regardé de plus près. Bah écoute, c'est vrai. Si un soir t'es pas libre, je peux dîner avec lui. Oh. Ah oui, habillez-vous en baronne de la tronche en biais. C'est agréable, merci. Tu me prennes de ta robe. Il porte le travesti comme personne. Ah bon? Enfin, il n'y a personne qui le porte comme ça d'ailleurs, parce que Bois de Boulogne, il ferait pas un rond, hein. Ah, j'ai crevé au Bois de Boulogne une fois. Et t'as fait des ronds? Ah oui, en voiture, bien sûr. Oui. Puis j'étais habillé en baronne parce que j'avais un gala, j'avais pas le temps de me déshabiller entre les deux galas. Et là, dans le Bois de Boulogne, arrivé près de la cascade, pof, ça y est, je crève. Alors je descends, et puis j'oublie complètement, j'étais tellement en retard que j'étais habillé en baronne de la tronche en biais, et me v'là avec mon démonte-neu, enfin celui qui était dans le coffre. en train d'essayer de changer ma roue. Et j'entends derrière moi, salope, tu viens bosser ici, c'est chez nous, le trottoir t'appartient pas. C'était 2 ou 3 demoiselles qui étaient là. Il y avait Albert, Maurice et Julien. Et quand elles t'ont vu, hein, qu'est-ce qu'elles ont dit?
Ah non, mais j'étais obligé d'enlever ma perruque pour me montrer que... Alors, fait, oh, ah, c'est Sim, disons. Il n'y en a pas une qui vous a dit, ah, toi, tu fais ça avec un démon pneu. Mais si vous retournez là-bas, soyez ferme sur les prix, hein. Ça a augmenté depuis. Oui, tu gâches le métier, ça. Ouais. Combien vous prenez combien vous demandez? Moi, ils me font un prix de gros. Deuxième citation de Mademoiselle Hervé, qui habite Tremblay-les-Gonesses, qui a dit « Je ne boirai du lait que le jour où les vaches mangeront du raisin. » C'est Renard, ça, non? Oui, c'est sûrement un alcoolo, ça. Il buvait pas mal. Il en est mort? Il est peut-être pas mort de ça, mais enfin... C'est un auteur? Non. Un acteur? Brasseur? Non. Jules Berry, non? Non. Non, bon, alors, on va faire la liste de tous les alcoolos, si vous voulez. Hein. Michel Simon et Picolet? Non. C'était pas non. Son truc. Non, c'était pas... Il avait autre chose. C'est pas Victor Boucher? Non. Non, non, c'est, il est mort il y a, voyons, 7, 8, 10 ans peut-être. Oh, même pas. Enfin, je sais pas quoi. Bon. Un acteur français. Un grand, quand il est mort, il a eu... Gabin? Oui. Oh. Il picolait pas, Gabin. Il aimait bien, oui. Ah, oui. Bonne réponse de Charlotte de Turckheim. Ah oui. Oui. Il avait pas la réputation de quelqu'un qui picolait. Il aimait bien, oui, il aimait bien la bouteille. Non, oui. On peut dire qu'il picolait comme, par exemple, on peut dire qu'il veut Roger Pierre picole. Ah oui, non, mais Roger Pierre, c'est un cas. D'ailleurs, c'est ça, quelque chose qui ne trompe pas, c'est qu'il n'est jamais sous. C'est ça le véritable alcoolique. Hein. C'est vrai, exact. Oui. Jamais rond. Quand on dit sous comme un Polonais. Napoléon disait « Soyez sous comme mes Polonais », c'est-à-dire buvez et que ça ne se voit pas. Tel que vous le voyez, il a, je sais pas, trois bouteilles de pastis dans le buffet, mais rien, impeccable, digne. Vous non plus, Philippe, vous ne buvez pas et pourtant vous êtes rond. Bon, une question de Madame Bourgeois de Brunoa. Qu'est-ce qu'on appelle en zootechnie la lutte? La copulation des... C'est l'accouplement de... Alors effectivement, c'est l'accouplement de certaines espèces ovines, souvent. Oui, Bonne réponse de Sim et de Roger Pierre. C'est surtout, je pense, ceux qui se prennent par les cornes. Avant, oui, comme alors, on lutte. Les béliers, oui. C'est joli d'ailleurs comme mot, la lutte pour un. Hein? Ah oui, ouais. Ça peut nous convenir aussi, parce que c'est vrai que. Des fois, pour moi, c'est pas facile. Hein. Ouais, pour eux non plus. Vous, c'est une lutte quand la dame se défend, mais autrement. C'est une lutte quand elle veut bien, que je ne veux pas. Non, c'est pour la dame que c'est. C'est une lutte inégale, hein, là. Bon, je ne veux pas quand elle est vraiment très, 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 très belle. Je ne fais ça qu'avec les moches. Oui, elles sont plus nombreuses. Oui. Mais elles en ont beaucoup plus envie que les autres, parce que ça leur arrive rarement, alors on a des surprises. Le type sincère. J'en ai aimé des femmes et des laides. Quand je dis une dame qui se défend, je veux pas dire une dame qui repousse vos avances, oui, demande une avance pour accepter de vous offrir les siennes. Ah oui, et puis par exemple, si vous avez fait l'amour avec une dame et vous dites, oh, dites donc, celle-là, elle se défend bien, ça veut dire qu'elle elle assure. Oui, ou alors qu'elle est chère. Oui. Ah bah une femme qui se défend, c'est une femme qui demande de l'argent. Mais si elle est moche et si elle est chère en même temps, où est l'avantage? Oui. Bah. Elle a peut-être des talents particuliers. Ah, c'est possible, c'est pour ça que je vous dis que j'aime bien les. Oui, les on peut faire des choses qui attachent en dehors de la cuisine. Bah oui. Mais oui. Oui, parce que c'est lassant l'amour. Hein. Oh oui. Vous avez remarqué comme c'est toujours la même chose. Je m'en ai. Ah oui. Hein? Moi, ce que je regrette, c'est que je puisse pas fumer en même temps. Bah, serrer les jambes. C'est curieux, ça, que... C'est débilitant, oui. Oui. Vous n'êtes pas déprimé après? C'est débilitant. Les hommes sont souvent déprimés après l'amour. Oui, après, oui. Ah, bah oui, il y a même un truc en latin pour dire ça. Oui. Comment ça s'appelle? Animal tristé, je sais pas. Oui, c'est ça. Tristesse. Oui, oui, oui. Il y a une immense tristesse à l'idée que pendant une demi-heure, 40 minutes, on ne pourra plus rien faire. Oui, c'est surtout ça, oui. Dans le meilleur des cas. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. On vous rafraîchit la mémoire sur RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps avec les meilleurs moments. Octobre 1984, Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Charlotte de Turckheim, Sim et Roger Pierre. Une question à 2000 francs de Monsieur Carrel de la Plaine-Saint-Denis. Quelle était la caractéristique des assignats?
C'est des billets de banque. Des billets sous la Révolution, bien sûr, oui. On sait, mais ils avaient une caractéristique par rapport aux autres billets de banque. Le roi, peut-être, non ? Imprimé que d'un côté. Imprimé que d'un côté. C'est ça. Bonne réponse de Roger Pierre. Question de M. Sérazin qui habite Épône. Pour quelle raison un bâton de maréchal de France comporte-t-il 21 étoiles ? Ça. J'aime bien cette question parce que je la pose tous les ans et elle n'a jamais de réponse. Ah bon ? Alors, le bâton de maréchal, c'est Napoléon, ça. C'est 21 batailles ? Si. C'est symbolique. Chaque soldat non, a un mais bâton. Ça n'a rien à voir. Pourquoi des batailles ? Non. Ça date de Napoléon, le bâton de maréchal ? Mais ce n'est pas le problème. Ah non, non, ça date d'avant. D'Artagnan l'avait. Il l'avait, il l'a eu dans 20 ans après. Alors, 21 étoiles, c'est religieux ? Non. Ce sont des batailles ? Non. C'est des provinces ? Non. Ah ! Hein ? Ah, quand ça devient de la culture et qu'on sort du slip, là, il n'y a plus personne. Oh, et moi j'ai toujours dit que les questions de culture, je suis nulle. Des questions d'intelligence. Où sont situées les étoiles ? Tout autour du bâton. Elles sont réparties sur le bâton. Du bâton. Oui. Est-ce que ça vous rappelle un souvenir, madame de Turquem ? Vous avez connu un gradé ? Quelqu'un qui avait des étoiles autour du bâton ? Oui. ça vous fait marrer. Hein. Eh bien non, je ne vois pas 21 étoiles. C'est la constellation, non ? Le ciel, non ? Aucun rapport. Là, il y a un petit travail... C'est un nombre de maréchaux, peut-être, non ? Le nombre de maréchaux. Il y a 21 maréchaux, non ? C'est toujours 21. Ça ne change jamais. Toujours 21. 21. Le premier bâton, 21. Ça date de quand, le bâton de maréchal ? Mais ça n'a aucun... Il n'y a que 21 bâtons, puis c'est tout. Non, non. C'est symbolique ou c'est vraiment... Ça c'est symbolique. Quelque chose de... Il y a une espèce de symbolique que je qualifierais de pythagoricienne. Alors ça, c'est pas pour moi. Non, mais comme ça, je suis sûr qu'on trouve la charlotte. Ah, ça a un rapport avec la table. Ah non, Pythagore, c'est pas ça, non. Pythagore, il y a une science des nombres. C'est une distance ? 21, c'est un chiffre. C'est un peu astrologique. C'est astrologique, non. Astronomique, alors peut-être une constellation. Non. Il y a un travail d'arithmétique simple, dans le fond. 3 fois 7... 7 fois 3, 21. C'est pas des galons ? C'est pas des galons. Ce sont des grades. Si l'on veut. Ah, c'est parce qu'il a franchi 21 stades. 21, oui. Non. 21 ans de service, non ? Non. Non, non, les grades, c'est un peu... Oui, mais c'est sûrement là qu'il faut chercher. C'est les grades, c'est là qu'il faut chercher. Donc, il y a 21 décorations avant d'être maréchal. Non, non, décoration et grades, c'est pas la même chose. De toute façon, il n'y a pas 21 grades, on est loin de les avoir. Très loin, très loin. Non, mais il peut cumuler, comme les points retraite ou je sais pas quoi. C'est pas complètement idiot ce qu'elle dit. Vous voyez, question d'intelligence, je suis bonne. Voilà. Ça a rapport avec leur paye ? 21 ans de service. Non, avec leur paye. 21 campagnes. Non. Alors, au-dessus des grades. Attends, on peut cumuler, cherchons. Au-dessus des grades existants, il y a des grades symboliques qui n'existeront jamais, mais qui sont censés obtenir. Non, non, il n'y a pas de grades symboliques. Il y a des grades, on les a, où il n'y a pas de grades. Hein. Alors, si c'est les grades qui cumulent, qu'est-ce qu'ils peuvent cumuler c'est comme grades ? C'est les annuités, non. C'est les mois de service ? Non. Ils cumulent des grades, c'est ça ? Oui. Et ils cumulent un nombre de grades qui arrive à 21. Qui arrive à 21. Ah, on a fait un grand pas. Caporal plus sergent plus... C'est non, simple. Alors le caporal et le maréchal, non. Non, non, ça pourrait être... Attendez, ce raisonnement est loin d'être inintéressant. Et voilà. Eh bien, vous applaudissez, monsieur Sérazin d'Épône, qui vient de gagner 1000 francs. Un livre des fous rires des grosses têtes, un disque et la considération générale, car... Et là, vous aviez quand même fait un grand pas vers le bonheur. Les 21 étoiles procèdent de l'addition des 2 étoiles du général de brigade, qui est le premier officier général, des 3 étoiles du général de division, des 4 étoiles du général de corps d'armée, des 5 étoiles du général d'armée, et enfin des 7 étoiles dévolues au maréchal. J'aurais dû additionner, tu vois. Très logique. Il ne manque que les 6 étoiles, vous remarquerez, car c'était l'objet d'une question des grosses têtes, il ne manque que les 6 étoiles que le général qui commande la place de Paris est le seul à pouvoir porter. Voilà. Je vous le dis parce que vous l'avez complètement oublié et que moi je m'en souviens et que ça fait toujours bien. Donc 27 normalement si. Oui, on devrait lui en donner 27. Il devrait y avoir 27. Oui. Oh. De monsieur Montessui d'Orthez, quel avantage possède un engin dont la vitesse atteint 28 000 km à l'heure ? On ne le voit pas passer. Oui, ça c'est vrai que... Oui. Attendez, il n'arrive pas au point de fusion. Il fond. Non, il bout. L'avantage. Il explose. L'angle droit qui bout à 90 degrés. Il explose, c'est pas ça. Quel est son avantage ? Deux fois le mur du son, 2 Mach 2. C'est pas le mur du son. C'est la lumière.
Non. 28 000 km. Quels sont 28 000. Il passe un mur. Il passe un mur. Oui. Ah, il passe dans une autre catégorie, quoi, qui n'est pas inintéressante. Une étoile filante. Non. Il atteint la stratosphère, je sais pas. Alors, dites-moi ça. Il s'échappe à l'enveloppe terrestre. Il échappe à l'attraction terrestre. Voilà, bonne réponse de Claude Sarraud. Ah non, faut pas vous laisser souffler, là. Oh, il m'a rien soufflé du tout. Non. Pas du tout. Non, mais elle est costaud, quand même, hein, parce que pour la première fois. Hein. Ah, oui, parce qu'il y en a qui... Merci, Roger. Bravo. Hein. Et alors, vous, c'était un peu léger, monsieur Roger Pierre. On le voit pas passer. Je l'ai pas vu passer. Ouais. Alors, je le disais franchement. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.